Aujourd'hui, il faut deviner. Il y a de l'eau, il y a des fleurs. Je vous aide. On est à Annecy. On va la découvrir ensemble. Suivez-moi. C'est toi? Et moi d'Annecy, donc bienvenue à Annecy. Hein. Merci. Voilà. Est-ce que tu as envie de m'accompagner, visiter un petit peu la ville? Ah mais avec plaisir, je vais te faire découvrir notre belle ville. En plus il fait très beau aujourd'hui. Voilà, on est chanceux. On est chanceux. Eh bien on y va. On y va. Ce parc est extraordinaire. Oui, c'est un magnifique jardin qui s'appelle le Jardin de l'Europe, hein, avec des arbres qui ont plus de 100 ans parce que c'était un jardin qui existait déjà au 19e siècle. C'est vraiment un endroit où les gens d'Annecy peuvent venir pique-niquer, marcher sur la pelouse, jouer. Et toi, tu le fais? Et moi, je le fais. Et souvent, il y a même des repas organisés par la mairie carrément dans ce Jardin de l'Europe. C'est vraiment un endroit magnifique parce qu'on est tout près du lac. Tout près du lac. Et maintenant, tu m'amènes au pont des... Au pont des Amours. Waouh, on y va. C'est un endroit romantique. Et le lac, il est grand combien? Non, il est petit le lac. Par contre, il fait 14 km 800 de long. 14 km 800. Dans la partie la plus large, 4 km. Et la profondeur en moyenne, c'est 40-45 mètres. Voilà. Ça va. Voilà, pas trop. C'est un petit lac, ouais. Et tu me disais avant qu'on peut même nager dans le lac. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, il y a plein de plages. Déjà, il y a plein de plages. Et quand il fait beau, on peut même se baigner. Moi, je me souviens même être baigné jusqu'au 15 octobre, par exemple. C'est pas vrai. L'eau, aujourd'hui, elle doit faire encore 23 degrés. Et nous, on va se baigner aujourd'hui? Ah, tu pourrais te baigner, il n'y a pas de problème. L'eau, regarde comme l'eau, elle est propre, transparente, translucide. Ça t'invite à aller nager. Et puis il y a une grosse manifestation qui a lieu le 15 août, c'est la traversée du lac. Traversée du lac. Voilà, alors là il y a 3000 participants, il y a des inscriptions, on traverse le lac. Voilà. Denis, vous avez aussi une autre fête très importante, la fête du lac. Oui, c'est vraiment le spectacle le plus important qu'on a donc à Annecy, hein, toujours le premier samedi de chaque mois d'août. Et donc c'est pour commémorer l'époque où on est devenu français. C'est en 1860. Récent finalement. Oui. C'est pas si vieux que ça finalement. Et à cette occasion est venu l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Et on a fait un petit spectacle qui était un défilé d'embarcation sur le lac et un feu d'artifice. Et maintenant voilà. C'est devenu la fameuse fête du lac qui attire donc 60 000 places payantes. Mais ce soir-là, il y en a 150 000 dans la baie d'Annecy. Et c'est vrai que c'est vraiment un spectacle magnifique. Le plus grand feu d'artifice d'Europe qu'il a ainsi. C'est quelque chose de unique qu'il faut venir voir. Tu as déjà vu la fête du lac? Une fois, mais il faut que je le voie. D'accord. On est devant une statue d'un personnage important qui est né tout près d'Annecy à Taloir, c'est Claude Berthollet. C'est un chimiste, hein, très important, il a inventé la formule pour créer le chlore. Ah, fondamental. Pour la vie de tous les jours, je dirais. Donc il est né à Taloir et il a tout le temps vécu à Annecy. Voilà, donc sa statue se trouve dans ce jardin de l'Europe. Et puis juste derrière, tu vois ici, donc on a une petite île, une île artificielle. Hein. C'est l'homme qui a constitué cette île et c'est une île qui est réservée que pour les oiseaux. Notamment les cygnes, voilà. Et ils font leur nid là. Hein? Exactement. Donc on peut faire le tour du lac en pédalo, avec la barque, mais on va jamais déranger les oiseaux qui sont là. L'île des cygnes. L'île des cygnes. On est rentré dans la ville par cette porte qui est juste derrière nous, qui s'appelle la porte Perrière, comme le pont Perrière. Donc derrière, il y avait une voie qui venait de l'Italie.
qui passait pas loin du col du Petit Saint-Bernard. Hein. Voilà. Là où il y a la station de ski La Rosière, la Tuile, La Rosière, bien maintenant Bourg-Saint-Maurice, Moutier-Albertville. Et là, on va rentrer dans la vieille ville, qui est toute une zone piétonne, et on va aller au château. Au Annecy, château. C'est une ville du Moyen-Âge. Hein, donc, du Moyen-Âge. Avec deux bâtiments encore du Moyen-Âge, c'est le château en partie, et le palais de Lille qu'on verra tout à l'heure. Parfait, on y va. Donc voilà, on a laissé la vieille ville, on est monté au château, hein, donc on est carrément devant la place de ce château qui aujourd'hui est classé monument historique, hein, donc c'est un château qui appartient à l'État français, grand musée, qu'on va aller découvrir. Donc il y a beaucoup d'art contemporain, mais tu as aussi une exposition aujourd'hui sur la Chine, tout l'été là, et puis une partie du château qui est réservée à toute la ville liée au lac, les poissons, le sauvetage donc, du lac. Donc un beau mix qui vient voilà, visiter. Un beau mélange, et voilà. Bon, et c'est bien aussi pour les familles, parce qu'il y a tout style d'architecture et d'art qu'on peut voir. On va découvrir. Je te propose qu'on aille voir ça. Oui, volontiers. Qui est là? Bonjour. Bonjour, on vient du Val d'Ost pour découvrir le château, c'est possible? Bien sûr. Merci. Venez, bonjour. Oh, bonjour, bonjour. Bonjour. J'arrête. Bruno. Bonjour. Bruno. Waouh, c'est magnifique. Alors, c'est vous le patron de la maison, finalement? Patron, non, mais... C'est vous qui ouvrez la porte? Employé, voilà. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut aller visiter le château? Allez-y, je vous en prie. Vous avez d'abord la partie... principale sur votre gauche et en face l'observatoire avec toutes les collections d'histoire naturelle. Wow. Et un très joli point de vue au fond de la cour. Sur le lac. Sur les toits de la vieille ville. Ouais. Et le lac et les montagnes. Waouh, on y va. Merci. Merci Bruno. Merci. Bonne journée. Ce logis qui est un logis du 15e siècle, vraiment une chose vraiment qui est très intéressante à Annecy, ça s'appelle l'Orla, c'est l'observatoire régional des lacs alpins. Wow. Donc tout ce qui est lié à la vie du lac, bien. Poisson, pêche, tourisme. Voilà. Parfait. Avec les poissons de notre lac. Ah, les poissons du lac. Voilà, donc là, tu vois la truite, hein, l'omble chevalier, comme je t'ai parlé, les ferrats. Et on explique aussi la qualité de l'eau du lac d'Annecy. Hein. Plus l'eau elle est propre, plus on a des poissons nobles qui vivent, des poissons excellents à manger, bien sûr. Ah, voilà. Donc là, c'est la truite. La truite. Truite Fario. Voilà, on va arriver sur la terrasse du château, comme ça tout on est en position haute, on a une vue qui est quand même sympa, sur le lac, regarde le lac, les montagnes, on et a toute tout. La vieille ville. On a tout, et on moi a... je veux une photo. Eh ben je vais te prendre en photo. Voilà. Je vais te présenter donc notre animateur de patrimoine, Yann Bazin. Enchanté. Bonjour Jeannette. Jeannette. Tout expliquer sur le palais. Parfait. Oh, je viens de découvrir déjà le château. Oui. On a vu le lac, le pont des amoureux. Donc là, d'accord. Finalement, c'est à vous. C'est le palais de Lille et qu'on appelle aussi les vieilles prisons. Que vous venez de réouvrir. Exactement. Donc nous avons réouvert à la visite le monument historique le 17 juillet dernier. D'accord. Le bâtiment avait été fermé pendant plus d'un an pour des gros travaux de restauration qui ont été entrepris sur la totalité du bâtiment. Il y avait besoin de consolider en particulier la charpente qui était en très mauvais état et donc ces travaux ont été réalisés.
Aussi parce que le palais de Lille, c'est dans l'eau. Donc finalement, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Oui, mais heureusement, c'est construit sur un rocher. Ah voilà. Donc les gens autrefois n'étaient pas tout à fait idiots quand ils construisaient un bâtiment massif, important. Il le construisait à un endroit où il allait être bien fondé dans le sol. Donc là, le bâtiment, il est construit sur un rocher naturel et l'eau l'entoure uniquement. Oui, d'accord. Ça, voilà. Ça me tranquillise. Finalement, il n'y a pas que les prisons, mais vous proposez autre chose aussi. Exactement. Aujourd'hui, le Palais de Lille, c'est un monument historique, mais c'est aussi un lieu d'exposition sur l'architecture et le patrimoine du territoire d'Annecy et puis du territoire savoyard. Donc, au rez-de-chaussée, on découvre les salles historiques avec l'ancienne cuisine du geôlier et les anciens cachots. Au premier étage, il y a une exposition donc, sur l'architecture et le patrimoine du territoire d'Annecy. C'est une exposition permanente. Et puis au deuxième étage, nous avons des expositions temporaires qui changent régulièrement et qui sont consacrées à des sujets architecturaux, patrimoniaux, historiques. On revient au mélange. Mmh. Comme au château, vous comme avez un mélange. De... Exactement. Bien. Donc ici, on est en train de monter dans la tour. Exactement, on est au-dessus de la tour escalier, donc l'escalier principal du palais. Cet escalier, vous voyez, il est surmonté d'un ancien pigeonnier. Mais là, je vais vous faire découvrir une partie que certains visiteurs peuvent découvrir dans le cadre de visites privilèges du palais de Lille. Et on va découvrir ensemble la charpente telle qu'elle a été restaurée lors du dernier chantier de restauration de 2016-2017. Donc je suis une privilégiée. Vous êtes une privilégiée ainsi que vos spectateurs qui vont la découvrir grâce à vous. Merci, merci, merci. Il faut encore attendre à peu près 3 semaines. 3 semaines? Oui. Mais pourquoi? Je sais pas, il m'a expliqué que c'était la procédure. Mais est-ce qu'on peut se toucher? On va essayer. Mais non, mais c'est fait exprès donc. Ah oui, on n'y arrive pas. Pour qu'on puisse pas s'échanger rien non. du tout. Mais je peux pas te donner un objet pour te libérer et t'enfuir. Donc je dois attendre 3 semaines? 3 semaines. Ok. Adieu. Adios. Adios. Jeannette, donc on est dans la rue Carnot, donc une rue importante à Annecy, et on est carrément devant donc, un des meilleurs fromagers qu'on a à Annecy. Donc, on voit Pierrier, on voit le drapeau bleu, blanc, rouge, puisqu'il était meilleur ouvrier de France, donc il va tout expliquer. Et nous, on a la chance de le rencontrer. Ah oui, de rencontrer, de discuter avec lui, il va te transmettre toute sa passion pour les fromages. Moi, j'aime pas les fromages du tout. Tu n'aimes pas les fromages? Non, du tout. Alors déjà, tu vas être surpris par l'odeur. Non, mais c'est mon amour. On y va. On y va. Bonjour. Bonjour. C'est vrai. Enchanté, Pierre. Pierre Gay, fameux. Pierre Gay, finalement. Pareil. Oui, c'est moi. Bien. Dans votre monde. Oui, dans le monde du fromage. Absolument. Donc, vous allez nous expliquer tout ce que vous faites ici. Pas de problème. Je vais vous emmener dans les petits coins secrets de mon entreprise. On va avoir cette petite fumée qui va englober l'ensemble de la cave et qui va recouvrir les fromages. Donc c'est une fumée très très fine, c'est plus fin qu'une fumée de cigarette et ça va apporter de l'humidité sur les fromages sans jamais mouiller ni les planches ni les fromages. Voilà, on voit cette,
cette petite brise qui vient et qui va faire le tour de la cave. Et après, ça aide. Alors, ça va développer tout ce qui est levure et moisissure sur le croûtage des fromages. Donc, on va avoir des petites fleurs jaunes qui vont apparaître simplement parce que la pièce est très humide. Hein. Il fait pas très froid dans cette cave. Il fait environ entre 13 et 14 degrés. Mais par contre, on a 90% d'humidité. Donc, c'est le plus important, c'est l'atmosphère que l'on va avoir. Et cette sensation d'humidité, on voit la petite fumée qui est là. Donc, ça va développer sur certains fromages des petites fleurs jaunes, comme ça. Okay. Et puis, sur d'autres fromages, comme ici, on va avoir des fleurs un petit peu plus rouges qui vont apparaître. Alors, les fleurs rouges, comme cela, quand elles sont naturelles, c'est simplement signe que l'affinage se passe bien. Toi, et tu passes ici tous les jours quand tous les jours. Tout le temps, oui. Je travaille au minimum 2 heures par jour dans cette cave où on n'a pas un énorme travail dedans, mais c'est aussi notre cave de service. Donc quand on a besoin de fromage, on descend les chercher. C'est l'avantage d'être juste en dessous. Exactement. Qu'est-ce que tu me montres? Alors, je vais te montrer une vieille mimolette qui a 3 ans. Alors, comme elles sont avec, on les laisse emballer parce qu'elles ont des serrons à l'intérieur. Et les serrons, ce sont de... Voilà. Wow. Alors sur ces vieux fromages-là, cette petite poudre-là, oui. sur la croûte, il va y avoir des petites bêtes qui sont de la famille des acariens. Donc, voilà. Qui vont manger le fromage. Donc ça tombe sur les autres fromages. Mais ce fromage-là, il a 3 ans. Et tu me dis que toute cette poudre est très importante par rapport à la production. Voilà, parce que ces vivants, donc elles vont manger, c'est ce qui va créer tous ces petits cratères dans le fromage au niveau du croûtage. Voilà. Un niveau après du goût, ça va donner un peu plus de saveur. Voilà. Ok. Eh bien écoute, je te souhaite un bon voyage, un bon séjour à Annecy. J'aurais voulu vraiment rester ici toute la journée avec toi parce que tu as vraiment un petit trésor à me dévoiler. On a vu que de toutes petites choses, donc tu reviens quand tu veux. Je reviens. Bienvenue. Merci encore. Salut. Merci. Ciao. Ciao. Chose qui m'intéresse beaucoup, donc c'est toute la production au niveau de chocolat. Au niveau des chocolats, voilà, tout à fait. Et après, ces petits trésors sucrés en pâtisserie seront à l'intérieur. Et là, on voit sur l'affiche, c'est la tarte avec laquelle il a été champion du monde. Donc, c'est une tarte revisitée aux pommes. Aux pommes, voilà. Donc, nous, maintenant, on pourra entrer. Voilà, on va pouvoir entrer déguster et regarder les différentes pâtisseries que le chef fait. La fabrication de pâtisseries. C'est vrai? Oui. Vous nous ouvrez la porte? Exactement. Avec notre chef, M. Carré. Bonjour, bonjour Fabien. Alors, nous voilà finalement dans le laboratoire. Dans l'antre où l'on fait toutes les préparations, toute la pâtisserie, les produits pâtisserie de la boutique. Est-ce qu'on a le plaisir de te voir préparer quelque chose? Éventuellement, on va faire quelques petits décors, ainsi que vous verrez, des petits gâteaux. Parfait, on va apprendre. Voilà, on va essayer. Oh, c'est très simple, vous allez voir. Oui. Plus de définition. D'accord, parfait. Alors, la base, c'est exactement la même pour madame ou monsieur. Okay. Donc, vous avez un fond de pâte sucrée, une crème d'amande avec quelques pommes, on cuit au four ensemble. Et ensuite, par-dessus, on a encore un petit espace. On met une marmelade de pommes dans laquelle on a des pommes golden qui ont été poêlées. Oui. À côté, on coupe des petits cubes de pommes granit, pardon, qu'on cuit pas. On assemble les deux et on ajoute un jus qu'on gélifie légèrement, un jus de pommes vertes, donc de pommes granit. On cuit, on n'en fait rien. On ajoute dedans, on sucre légèrement l'ensemble, de la vanille également, on mélange l'ensemble, on
fait comme une marmelade, mais non cuite. Okay. Et une partie qui est cuite, une partie des pommes. Okay. Voilà. Et avec ça, une fois que c'est pris, c'est froid, on mélange et on vient lisser à ras. Donc on aura des pommes fondantes, cuites, ouais. Et des pommes crues, croquantes. Parfait. Voilà. Voilà. Et dessus, en fait, qui va différencier, ça va être le mousseux qui est dessus. Alors là, c'est un mousseux vanille pour la, monsieur Smith. Donc un mousseux crème fouettée avec de la vanille dedans. On va napper avec un glaçage, un nappage à la pomme manzana. Parfait. Qui est vert. Et pour le madame, ce sera mousseux à la rose avec un nappage à la rose. Ok, voilà. Ok. Donc on a légèrement fait chauffer le nappage, que ce soit liquide. On vient simplement le recouvrir, voilà. C'est super facile. Hop, ça va tout seul. Juste le petit secret, on enlève le surplus au milieu. Hop. Pour bien avoir la forme de la pomme. De la forme. Voilà. Et ensuite, avec une spatule, on enlève le surplus, on vient poser au milieu. Voilà. Est-ce que ça te dérange si j'essaye? Avec plaisir. Alors le secret, c'est de bien prendre dessous. Voilà, légèrement soulevé, on prend avec dessous, on fait glisser la spatule dessous. Ouais. On essaye de pas toucher, voilà. On racle un petit peu, vous voyez, il y a des petites bavures qui viennent, on racle un petit peu sur la grille, voilà, pour couper les bavures. Voilà. Et maintenant, on vient poser au milieu de la tarte. Et avec là, on passe, voilà, en appuyant, on fait glisser. Parfait, magnifique. Oui. On va pouvoir embaucher au laboratoire. Parfait, c'est parfait, merci Fabien. Et la finition, c'est la petite baie de vanille. Petite, alors c'est un petit morceau de vanille qu'on fait sécher. Ouais. Voilà. Et on vient planter chacun sien au milieu. Voilà. Légèrement. Voilà. Salut Jeannette. Salut Jeannette, ça va? Ça va, et toi? Ouais, on va faire du bateau. Ouh, volontiers. Allez, je t'en prie. Tu peux enlever tes chaussures, mais je vais prendre ton sac. C'est gentil, merci. Hop. Donc c'est moi et toi qui partons. Hein, on va partir en catamaran sur la partie du Grand Lac. Ouais. Et on va essayer de mettre les voiles pour naviguer avec le catamaran. Je serai capable de t'aider. Je sais pas. Vas-y, je t'en prie. Merci. Attention, ça glisse et ça descend. Voilà. Alors, ce catamaran, il est long de 11 mètres. 11 mètres par 6 mètres de large, ce qui permet d'avoir un bateau qui est très stable et puis pouvoir accueillir n'importe quel type de public. Et puis ce bateau, en fait, il arrive de la Méditerranée. Ah d'accord. Je suis allé le démonter là-bas et je l'ai ramené en plusieurs parties sur le lac, regrouté, rassemblé, mis sur le lac et puis maintenant ça fait 7 ans. Voilà. 7 ans, donc c'est en fait ton bateau que tu as remis debout et... Complètement. Il y a le Semnos derrière nous, qui est sur le parc massif des Bauges. Ouais. Et puis tout au fond, là-bas, tu as le sommet du Semnos qui est à 1700 mètres sur la droite. Oui. Si tu redescends sur la gauche, il y a une sorte de col. Le col, c'est entre les deux montagnes. Et tu as une montagne qui est sous les nuages. Ouais. Alors, c'est la petite mascotte du lac. On dit que c'est la femme qui est couchée, qui dort, etc. Ah, ok. Tu as le front à droite, le nez, le menton et la poitrine sur la gauche. Ah, ok. Vous avez tout vu. Donc là, c'est le parc naturel des Bauges. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est encore très... naturel. Ouais. Sauvegardé. Ouais. Du catamaran, donc tu passes tes journées ici, mais la passion pour l'eau, pour le
bateau, ça vient d'où? Ça vient de mon papa. J'avais mon bateau quand j'étais petit, à 4 ans. J'ai commencé sur le lac et puis après j'ai navigué un petit peu partout. Et puis je suis revenu installer ce projet ici sur le lac pour faire profiter à tout le monde. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a de beau de ton métier? Écoute, je rencontre plein de gens très différents. Des gens qui sont en vacances, des gens qui sont handicapés, qui ont besoin de se libérer, se détendre, etc. J'ai des gens qui viennent fêter des anniversaires, donc c'est un peu festif. Il y a des entreprises pour des séminaires, donc tout ça c'est varié, donc je discute un peu avec tout le monde. Et puis le lac qui change toutes les saisons, donc là les montagnes sont vertes, dans un petit moment elles sont plus rouges, orangées et tout. Donc je me lasse pas, voilà, ça c'est chouette. Alors Annecy nous a accueillis aujourd'hui d'une façon spéciale à travers ses fromages, à travers sa culture, à travers ses sports. Donc voilà, on n'a qu'envie d'y retourner et donc on vous donne rendez-vous pour une prochaine fois avec nous.